Et nous sommes de retour pour plus de Returnal. Donc on est dans un nouveau cycle, on est à 9 minutes dedans. Trop bien, trop bien. On est après la techniquement fin, je sais pas. Enfin bref, nouveauté, on tue des trucs. Oh la vache. Ok. C'est nouveau ça. Enfin, on est obligé de changer, je crois, d'arme, parce que la dernière fois, on avait récupéré ça. Les surcharges réussissent de créer deux projectiles énergétiques qui frappent les deux ennemis les plus proches. C'est extrêmement puissant. J'ai remarqué. Donc ouais, on va prendre une arme avec un rechargement. Si j'arrive à recharger, ce serait bien. Pourquoi elle a crié? Je me suis touché. J'arrive pas à recharger de toute façon. J'en ai un encore derrière moi, je crois. Putain, toi. Ah, ça me rend fou, ce jeu. Encore une fois, on n'a pas les meilleures armes, enfin pas celles que j'aime en tout cas. Non, c'est quoi ça? Ouais. Carabine au moins, c'est plus simple. Réduit l'intégrité max. Ok, super! Ah, le sable. Ouais, ça c'est le sable, ok. Ça marche. Bien. Je sais pas comment on va là-haut. Wow, 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 wow. Oh merde! Ok. Pas trop ce que je voulais faire, mais... On va crever, on va crever. Ah bah c'était bien. C'est bien ce cycle. Oh là là, qu'est-ce que... Ça me rend fou, quoi. Je ne
abandonné. Alors un truc que je voudrais tester, c'est... Attends, c'est... Est-ce qu'on peut changer... ça. Est-ce qu'on peut changer le... Le bordel, là. Le monde. Ok, donc là c'est... Où est-ce qu'on était? On a 15 de maîtrise. Alors est-ce qu'il y aurait deux mondes différents? Parce que je crois qu'il y a trois versions. Je vois. On va voir. Donc là c'est le monde avec 15 de maîtrise et tout ça. C'est ce qu'on avait fait, ce qu'on a, on a tué ça et tout machin, il n'y a pas de problème. Et là, on est la nuit. Ok, non, il y a deux versions, c'est tout. Ouais, et là, on est à zéro et tout. Ok, ça marche. Bon, Pète ! Peut-être arrêter d'utiliser notre éther. Le vendeur peut être encaissé avant que le niveau de l'énigme ne fût. C'est pas mal. Il y a les lumières qui sont allumées et tout, j'avais pas vu. Bandon d'Hélios, on peut revenir ou pas? Par contre, une chose, je voudrais bien qu'on arrête de me donner des armes de merde. Genre fusil à pompe et tout ça, ou alors... Enfin, je sais pas, c'est... j'ai l'impression que je tombe souvent sur de la merde et ça me fout dans la... Bah, ça me fout dans la merde. Ou alors c'est parce qu'elles sont pas augmentées en fait, du coup j'ai du mal. Alors, ça c'était con. Ça c'était bien con, tu vois. Alors honnêtement, on reste en pistolet si on trouve des pistolets. Parce que j'ai l'impression que les pistolets, bah, ils font très bien le boulot. Est-ce qu'on a une porte derrière, non? Ça c'est quoi déjà? Caveau. Caveau. Tu t'appelles... Tu veux dire quoi par caveau? La diversité de la dangereuse faune de ce monde dépasse tout ce que j'ai pu voir par le passé. Je n'aime pas employer ce terme, mais tout semble... mythique. Impossible de ne pas penser à mes livres. Hydres, gorgones et autres monstres revenant à la vie. C'est vrai que les créatures viennent en fait. Ouais, c'est bon. Non! Pardon, je veux pas gueuler dès le début.
Oh là là, c'est un laser. C'est un laser instantané en fait. Caveau. Le caveau, c'est quoi? C'est le premier boss? Je me rappelle même plus de la gueule du premier boss. Ah. Ah mais j'aurais dû peut-être pas le faire. Ah j'en sais rien en fait. Bon bah si on crève, on crève. Ah merde, je l'ai mis derrière là. Putain de merde. C'est bon, on va mourir, c'est bien. Je suis pas du tout augmenté, donc bon. Ouais non, je le fais pas avec avec ma vie là. Faut pas que je me loupe avec la bestiole vrille parce que je crois que c'est ce qui fait le plus de dégâts en fait. Non, on était bon, on allait le tuer. Quelle merde. Bon bah. C'est officiel, je suis nul. Je dois réessayer. Là, commence à me gaver. Il y avait des créatures. Thank you.
prend même pas la relique du début. Ah, c'est le tir chargé. Oh, on va te faire... hein. Ouais. Il est au-dessus. Même ces trucs-là, ils devraient jamais me toucher, quoi. C'est les trucs de base. Allez, vas-y, on va arriver. Ça a changé, mon tueur. Oh là là, oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh merde, on s'est fait toucher. Ok. Eh ben. Ah, en fait, je vais puis se détache. Je vais créer une clé atropienne. Quoi? Ah, utiliser une clé atropienne, vous... Ok, on prépare, on peut les fonctions. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon... Qu'est-ce qu'elle a, mon arme?
Tire une balle supplémentaire à haute vélocité qui inflige de très lourds dégâts. Donc. Ah oui, d'accord, donc ça. Ça tire une sorte de laser maintenant. C'est pas mal. Oui, non, c'est pas mal. Après, la boule chargée, elle est dangereuse. Elle est très difficile à utiliser. Je vais être honnête, elle est méga difficile à utiliser. Mais c'est puissant. C'est sûr que... C'est sûr que là, ça fait pas... Ça fait pas dans la dentelle. On va le prendre celui-là, comme ça on ouvrira un coffre ou un truc. Combinaison détectée. On a toujours le... Non, il s'est détaché. Ok, nickel. On va aller faire la combinaison. On va d'abord faire ça. Pas mal. Ça a tout détruit. La zone est très très bonne en fait. Ok, très bien. Donc en fait c'est que des... Enfin beaucoup de parasites. Alors, on fait voir. On a quoi? Rempli. Deux emplacements d'amélioration d'intérieur. Meilleur infect par nocivité. Ok. Rempli deux emplacements. Un emplacement. Ok, un emplacement. Taux de maîtrise de 20, les longs fuses infligent des dégâts. Enfin, mais t'as un petit peu. Bon, ben. Petit bonheur, la chance. Deux emplacements. Très bien. Deux emplacements. Allez, on va s'amuser. Ah la vache, on est bon? Okay. Niveau 3. Non, c'est bon. Ouais, non, j'aime bien le ce qu'on a. Là.
a une bonne arme. Ça, c'est une clé, ça. Ça, c'est intéressant. J'espère que dans cet épisode, on va un peu avancer, parce que j'avoue que là... À chaque fois, en fait, on avance un peu... Enfin, on monte de niveau et tout ça, machin, et après, on meurt, en fait, bêtement. Un objet. En cas d'intégrité basse, augmente les dégâts des armes. Très bien. C'est quoi le premier concernant qu'on a? Détache tous les parasites. Réduit le coût des jeux de 30. Okay. On a une porte bleue, allez faire. J'avoue qu'après ça, après cet épisode, moi je vais devoir faire une petite pause hein, parce que là. Ça... C'est vrai que ça fatigue un peu ce jeu. Passer les roguelikes en général, honnêtement, c'est fatigant. Enfin, moi, ça me. C'est exaspérant. Ah merde. Attends, pourquoi il y a de l'acide par terre? L'acide laissé seul de. Ok. C'est le dysfonctionnement en fait. Ça, c'est un peu hardcore, ça. Intuitif, hein, je vais voir un peu. C'est quoi intuitif? Je crois que c'est des nouvelles choses. Les émissions rapportent plus de maîtrise. Ouais, bof. Ah, y a du vacillement. Balle surprise. Oui, c'est ce qu'on avait. Toile de pylône. Je peux faire la toile de pylône un peu. Et c'est quoi? C'est la truc vertical? Ouais, barrage vertical. Alors. Ok, ça marche. Attends, il y a un truc là. Ok. Permet de réutiliser comme ça, c'est des tâches après avoir utilisé. C'était un endroit que je pouvais pas atteindre, je crois. Ouais. Un observateur? On dirait qu'il s'agit d'un sentient particulier. Tout ça semble tellement
déconnecté. M'approche de la vérité. Renforcé, rayon du néant. Le rayon du néant. Ah oui. Ouais, rayon du néant, c'est pas mal. Surtout que ça fait renforcer. Je crois qu'on va tuer pas mal de choses avec le rayon. Et la droite. Pam palala pam pam. Faut qu'on enlève nos dysfonctionnements là par contre. Allez, bouge! Je vais te faire mettre. C'est bloqué, cet idiote. Par contre, je me suis pris des dégâts, donc ça fait des dégâts, ces machins. Il va me rendre fou, ce jeu, au bout d'un moment. Il va me rendre fou. L'acide, l'acide. Ah oui, c'est l'acide qui m'a fait des dégâts. Bien se faire mettre. Et où ? Il en reste plus que 1, 2, 2. Mais c'est quoi ce lancer de merde que tu m'as fait, le machin, là ? Incroyable. J'ai l'impression que... Genre, il allait m'attaquer, mais j'ai esquivé, donc je me suis retiré de sa position. J'étais proche de lui. Et j'ai l'impression que son attaque, en fait, elle cible automatiquement en moi. Donc, du coup, il a fait un... Bon super loin quoi, enfin bref. Utiliser un consommable, parfait. Voilà. Réduit les délais de récupération des tirs, augmente la protection. Augmente la protection. Je me demande s'il y a des builds qu'on peut créer dans le jeu. Réduit le délai, non, ça m'intéresse pas. Bah, c'est bien, mais l'argent ça court pas les rues. C'est bien connu. Alors on a le pistolet avec des obus explosifs. Canon cible. Canon scié. Augmente les dégâts au détriment de la précision. Pourquoi pas? Bon,
Parce que la carabine, comme j'ai dit, hein, la carabine elle est bien, mais. Je me demande si on peut mourir de ça. La carabine est cool, mais. Elle est très très lente. Elle est vraiment bien quand on. Seulement quand on peut. Récupérer de la vie. C'est quoi cet endroit là? Mon Dieu. On s'est pas fait toucher. Sans déconner. Sans déconner, on s'est pas fait toucher. Très bien. Oh. C'est les sauts. Attends. Je voudrais bien aller sur le pont en fait pour aller récupérer le soin, comme ça ça nous. Là-bas là. Comment j'y vais? Ah! Comme ça. Ça, on peut pas le casser encore. Ah, j'avoue que le pistolet comme ça, au début, c'est vrai que c'est utile en fait. C'est assez simple à utiliser. C'est très, oui, non, c'est très simple en fait. Maintenant, il tire, il fait plus de dégâts, c'est ça? Augmente les dégâts en déprimant de la pression. Ok, ça marche. Alors, on a 350. Intégrer 2% de dégâts infligés par niveau d'adrénaline. Oh, ça c'est bien ça. On va prendre ça. Même si c'est un peu cher, c'est du soin. Du soin facile. Très bien. Il faut qu'on ait du mal à finir.
Oh la vache! Le piège de merde! J'allais dire, c'est fou qu'on ait du mal à finir un biome quand même, le biome du début. Mais en fait, je sais pourquoi, c'est parce que je vais trop vite. Je me suis pas soigné. Oh le con. J'appuyais sur la mauvaise touche. C'est quoi ça? Oh putain. Oh la vache. J'appuie sur la mauvaise touche pour le soin parce que les objets ils arrêtent pas de switcher dedans. D'emplacement. Qu'est-ce que ça me saoule ce truc? J'avais deux soins en plus. J'avais deux soins. On va pas utiliser sept. Allez, on est reparti. Allez, monte. C'est très embêtant quand même. Ok, ça c'est pour aller dans l'autre biome. Je commence à en avoir marre de d'être là moi honnêtement. Wow. Okay. Ça marche, on a eu un cube. Un cube que je pourrais sûrement pas utiliser encore une fois parce que j'arrive jamais à la machine. Je fasse attention à mes éthers, faut que... Je peux aller dans l'eau ici. Élimination par mêlée. 6, ça fait beaucoup 6 quand même.
Sinon, de l'acide laissé au sol. Ok, ça marche. Mais ouais, je vais trop vite et tout. Et puis, je suis un peu... Je fais moins attention. Un arbre couvert d'yeux. Un massacre de vertébrés bipèdes. Un lit avalé par des tentacules. L'astronaute au-dessus. Et un être qui me ressemble. Comment ont-ils reproduit mon apparence aussi parfaitement? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Une nouvelle arme? Le lanceur saprodémique. Qu'est-ce que... Ah mais c'est vraiment une nouvelle arme en plus. Sans déconner. D'accord, qu'est-ce que... Une traînée de pourriture au sol. Arme biomécanique tir, des fluides acides chargés au tir pour augmenter la portée. C'est sympa ça. Test. Ah là ça serait bien, c'est le... Quand on recharge, là ça fait de l'éclair. Qu'est-ce que ça serait bien de l'avoir ça, la relique. Et oui, je pouvais pas me foncer dedans comme un débile parce que j'ai le de l'acide. De l'acide qui tend le sol. Ça c'est dangereux. Attends, du coup tu peux tirer très vite en fait. Ouais, faut apprendre à recharger avec ça en fait. C'est chaud. Hein. C'est un peu chaud. Par contre, l'acide reste et tout, ça fait des dégâts. Hein. C'est pas mal. Mais j'ai tellement de mal à enchaîner les tirs. Tellement de mal. J'ai pas envie de changer d'arme, merde. Ah. Traînée de pourriture et pourriture rebondissante. Et là, c'est un lance-grenade en deuxième. Le projectile rebondit avant d'exploser. Ah, ça peut être pas mal.
suis bloqué. Ça fait super mal, mais ouais. Alors plus quand on n'a pas la... Crayon du néant. Alors en plus quand on n'a pas l'adrénaline, mais alors laisse tomber. Hein. T'as rien à trouver plus souvent du matériau sur les ennemis. Bon, faut tuer des gens. Plutôt. Non. Après, je vais jamais y arriver. Après, un truc qui est pas mal, c'est que vous avez pas besoin d'être précis. Ouais, ça fait des bons dégâts. Hein. Genre en dot, hein, je parle. Mais ouais, vous avez pas besoin d'être... d'être très précis. Vous juste tirer par terre, quoi, en fait. Oui, j'ai un peu oublié le fait que on doit tuer des gens au corps à corps. Oui, j'avoue. J'avoue. Ah mon dieu, mais je fais n'importe quoi, je... Lâche. Non. Par contre, je vais lutter là pour eux, non ? Ah, ça fait de l'acide en fait sur, sur le corps. C'est pas si mal. C'est pas si mal.
Ouais, c'est compliqué. Comme un statut Facebook, c'est compliqué. Mais j'aime bien l'arme, j'aime bien l'arme. Ah, maintenant on a l'augmentation, du coup ça rebondit, c'est ça? Ouais. Et ça met de l'acide quand ça touche un endroit, ça c'est bien ça. Ouais, ça a quand même une grande AO en fait. Ça a quand même une très très grande AO. Une clé. Ouais, on a déjà une clé. Bon, si on... Faut vraiment que je tue des gens au corps à corps. On aurait pu l'enlever depuis un petit moment, en fait, hein, ce problème. Leur attaque de mêlée plus puissante de briser barrière jaune. Ah. Des barrières jaunes. J'ai vu qu'on en avait des barrières derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je sais pas quoi. 25. Mais meurs, bordel! Putain, le machin, quoi! Il lui manquait rien du tout, quoi! Dégoûté. Il lui manquait strictement rien pour mourir et il a pu me toucher. J'étais bloqué contre le mur. En train de tondre la pelouse. Alors. Off. Ah, ça serait pas mal pour utiliser ma boule. En plus, deux emplacements. Une nation moins nécessaire pour monter le niveau dans la ligne. Les prochaines fonctions sont plus difficiles à réparer. Oh, je sais pas trop.
On prend ça. Du coup, je peux pas. Ah, ça se pète pas mal. Je vais utiliser un consommable, mais ça, ça fait deux dysfonctionnements, donc ça, c'est un problème. Donc, si j'en fais un peu de plus, ça va être un critique. Je sais plus que où ça. Ah, c'est vers la tour blanche. Je sais plus où ça m'emmène, la boule. La boule que j'ai dans l'inventaire. Le consommable. Oh! What? On peut vraiment les détruire, ces murs, lol. J'ai fait des rencontres psychologiques étranges avec quelque chose que je ne peux décrire que comme des échos visuels de morts précédentes. Au début, je les évitais, mais je devais savoir. Quand je suis ces échos, ils me mènent à un cadavre. Je ne suis même plus surprise. Désormais, c'est un choix clinique. Recycler leur équipement ou les venger. Ah mon dieu, je vois même pas les racines tellement que c'est sombre. Déjà un cube sur nous. Il y a un truc, ce jeu, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, mais le jeu me fait protection moins 20%, je viens juste de le voir. Oh là là, ça va faire très mal. Je crois qu'on verra ça après, la combinaison. Il y a un truc qui me tracasse dans le jeu. C'est qu'il y a beaucoup d'effets partout, genre rien que les plantes et tout sur les rebords et tout. J'ai l'impression qu'il est très très console, genre dans le genre où... comment dire... Genre ils ont mis plein d'effets exprès pour montrer que genre la PS5 elle peut sortir plein d'effets en même temps, tourner à 60 FPS. Ça me rappelle ça en fait. Je sais pas, ça me donne ce sentiment là, j'avais de la vie juste à côté de moi. De la vie juste à côté de moi. Waouh, ça rebondit bien en fait. Ok. Normalement ça c'est pas une arme hein. Ok, ramasser rien, qu'on fait un bouclier contre un coup, c'est très très bien. Donc je tue encore 6 ennemis. Pas de moi. Oh. Oh. Oh la vache. Ce tir de merde qui te... C'est pas fini. Hein. Il y en a encore.
qui tourne, genre les coins, genre à 90 degrés presque, tellement que ça suit. Hein. C'est incroyable. J'arrive un peu mieux à recharger, mais c'est pas encore ça. Alors, faire là. Ah ! Ok, ça l'a pas compté, mais c'est pas ça. C'est ça que je voulais faire. Monsieur Gouret touche. Ah, du coup, ça l'a pas compté ? Ok, là, ça l'a compté. Oh, mon Dieu, non. Merci les ricochets. Merci les ricochets. J'ai pas envie. C'est l'adrénaline max. Ok, ça l'a pas enlevé. Très important, il y a des airs qui tirent. Éliminage davantage d'un Windows. Non, c'est... Ah, j'avoue que là, le truc acide, il m'aide beaucoup. Hein. Je voudrais vraiment bien trouver le même en fait. J'ai de la résine. Quoique, on peut le mettre à la place du 2. Un portail. Ah non, c'est le portail. Ouais, non, j'ai bouclier, portail et adrénaline 5. Adrénaline 5, à la limite, c'est pas extrêmement utile. Mais... Là, par contre, c'est un peu la galère. Ouais, truc qui vole, c'est un peu la galère. Coffre là. Il y a beaucoup d'effets en fait, parce qu'il y a, mes munitions qui ricochent et tout ça, puis après il y a les tirs des autres. Pas évidemment. Pas le moment.
Faut que je le maintienne pour que ça aille plus vite. Plus loin, pardon. Ok. J'ai utilisé énormément de consommables. Ouais, j'ai utilisé énormément de consommables. J'ai utilisé le bouclier, j'ai utilisé le portail qui tire. Le sprint et le dash des fois. Des fois ça merde un peu. Ok. Ouais, j'aime beaucoup l'arme. J'aime beaucoup l'arme. J'espère qu'on va potentiellement pouvoir trouver la même. Bouclier activé x2. Tiens, j'avais pas vu. Allez, c'est parti. Je suis bloqué. Utiliser un bouclier parce qu'il y avait des lanceurs. Ah putain. Lanceur niveau 6. Ah, on avait on était bloqué. Bref, voilà, on était bloqué. Alors, ça c'est niveau 6. Impact à réplicateur. Ah mais ça c'est le lanceur sans l'automation en fait, l'automatisation. Donc c'est une catastrophe. Faudrait qu'on retourne en arrière faire le deuxième corps. Si on a un téléporteur en plus. Les émissions de mêlée provoquent des charges d'énergie. Non. Oh. Par contre, on se débrouille mieux pour récupérer de l'argent. Ça, j'ai remarqué. Ah, c'est là. Ça, on a un peu d'éther d'avance parce que là. Évidemment. Un portail, ça c'est bien ça. Le lanceur avec projectile rebondissant. Quoi? Attends, tu tires différemment toi. Projectile rebondissant avant d'exploser. Ok.
Non mais attends, t'es pas... Ah mais t'es pas le lance-roquette. T'es le lance-grenade. Ok. Ouais, ça peut être pas mal parce qu'on peut faire une sorte de piège comme ça. Ok. Allez, on prend ça. Vu les dégâts, on prend ça. Ouais, comme ça, par exemple. Encore un cube. Bien. Les oubliettes lâchées restent 2 secondes plus. Prochaines dysfonctions sont plus graves. Non, on a pas besoin. Par contre, je veux pas aller là. Oh, on a encore plein de portes à faire. Oui, par contre, on a 900. Faudrait peut-être acheter des choses, non? Parce que là, quand même... Alors, les attaques de mêlée pour détruire les barrières. Surcharge réussie, réduit les délais de récupération des tirs secondaires de 3 secondes. Ça peut être utile. On augmente la protection. On va prendre ça, déjà. Genre, quand c'est en recharge, on a un petit bonus de protection, c'est bien. J'ai bien envie de prendre ça aussi. Et je crois qu'on va prendre la vie directement. Tu vois, à chaque fois, je la laisse de côté. Enfin, j'attends avant de la prendre. Genre au cas où, si on doit se soigner ou... Enfin, ouais, voilà, ouais. Mais au final, j'arrive jamais à ce point-là parce que je meurs avant, en ce moment. Donc ça va faire 2 ou 3 cycles d'affilée que je meurs avant de pouvoir prendre de la vie. Attends, il est où la porte? La porte elle est là. Ouais, en plus c'est celle-là. C'est la barrière. On a ici. Putain, comment je fais pour y aller? Téléporteur. Même pas fait gaffe qu'il y avait ça. Très bien. Bon, ce cycle est officiellement ok pour le moment. J'espère que ça va continuer. Chambre agrandie. Ouais, non mais ici ça sert à rien. On
plein d'emplacements à meilleure intégrité. Nickel. Très bien. Et... Tu m'expliques pourquoi j'ai perdu autant de vie? J'aurais dû lire les debuffs. J'ai pas lu les debuffs. Je suis sûr qu'il y avait un truc genre... utiliser un objet, ça vous fait des dégâts ou un truc comme ça. Putain. Oh la vache. Ah, on a la porte là-bas. C'est quoi ça? Porte de confinement. Porte de confinement. Go. What the fuck? Ils viennent d'où eux? Bon. C'est bizarre. On devrait pas avoir d'ennemis quand on revient en arrière, si? Bon, après, le jeu aime bien changer les règles par rapport à ça. Ah, on a des objets sur les côtés. Ouais, bah oui, comment tu veux que j'y aille, moi? Ah mais non, c'était la salle où il fallait décider d'aller à droite ou à gauche. Oh, la salle de confinement. J'attends que mon tir secondaire revienne. Ouais, le tir secondaire, c'est un peu le côté bof. Enfin, quoi qu'après, dans un sens, ça va avec le lance-grenade, parce que le lance-grenade, on balance une grenade au sol, elle explose un peu après, donc c'est des pièges. Donc au final, on balance... Le tir secondaire, c'est aussi un piège, en fait. Ah la vache. Quel bordel incroyable. Oh mon Dieu.
vache. J'ai utilisé un peu les déconsommables par contre. Genre le ça crée un portail, ça tire je crois. Comme ça. La vache. Bah c'est pas mal, c'est un peu bordélique. Honnêtement je sais pas quand je fais des dégâts en fait. C'est tellement le bordel que ce lance-grenade. En plus ça ricoche. Donc je sais même pas si ça explose à l'impact. Voilà quoi, c'est un peu compliqué. Hein. Alors toi t'as quoi? Toi t'as le flux électrique, ouais, qui peut être peut-être un peu mieux. T'as projet qui rebondit, c'est ta génère des fusées guidées qui cherchent des cibles supplémentaires. Ok, ça peut être un par là. C'est bête qu'on perd en dégâts en fait. C'est pas mal. Ouais, ça m'embête un peu de perdre en... Ouais, mais fin. Ouais. C'est mieux. En théorie, c'est mieux. On peut pas réutiliser des éthers, hein. D'accord. Le bordel, non, ça marche qu'une fois. Bon, là, faut dire que c'est pas mal. C'est pas si mal. Donc ça, c'est pour aller à la tour blanche. Là, on a encore du bleu. Encore bleu. Après la question c'est est-ce qu'on doit faire le boss, est-ce qu'on va dans le nouveau biome là, de la tour, est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on va dans le désert, moi j'aimais bien le désert, moi. Le biome du désert je trouve sympa, enfin voilà quoi, qu'est-ce qu'on fait quoi. Journal de reconnaissance, Atropos. Ceci est mon 10e retour. Des cadavres de 4 mètres de long tapissent le sol, empilés. Il y a peut-être des siècles. Je ne sais pas s'il s'agit d'une guerre civile, d'un génocide ou d'un suicide rituel de masse. Je trouve certains cadavres. De moi. Ils ont été blessés de manière similaire. Je ne comprends pas comment cela peut être possible. Eh ouais. Souvenirs étouffants. Une clé de maison rongée de regrets. Je l'introduis dans la serrure et je tourne. La porte.
Nation des enfants. Oh oui, ah oui, 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 oui. On a les objets les plus importants là. Membre fantôme, ça tue ça. Alors, une myriade d'yeux emplis de désir dans la lueur sombre du soleil sous la pluie torrentielle. Désolé. Nous devons partir pour le désert où nos visions nous ont promis un nouveau genre de transcendance. Gloire, gloire, gloire. Tiens, ça part. Je parlais du désert. Mais... là-bas, on a une porte bleue. On va prendre la porte bleue d'abord. Ok. Très bien. On peut enlever les dysfonctionnements aussi. Nickel. Ah. Je dirais qu'on peut s'en passer. Je vais regretter. Pas comment je me suis pas fait toucher, mais ça, ça fait bien mal. Ah putain, je vais avoir un problème. Ah bon. J'ai le bon truc. Oui. Oh, fusée à tête chercheuse, ça met 3 siècles à monter. Bon, après, il n'y a pas énormément d'ennemis non plus. Bon, on s'est fait toucher une fois, je crois. Non, j'ai mon bouclier. Non, ça va. Ouais, le laser, il fait quand même très très mal. Donc ça, c'est bien. Maintenant on récupère de la vie quand on tue, quand on touche, je sais plus. Ah, on n'a pas de clé, merde. C'est quoi la clé rouge, la porte rouge? C'est le caveau. C'est le boss, hein. Je crois. Ah la putain.
Ok, ça va, c'est bien passé. Alors fais voir, attends-toi. Obus explosif, fusée, tête chercheuse, projectile rebondit. Parfait. C'est le même en mieux. C'est tout simplement le même en mieux. Oh là là, nickel. Notre famille nous a interdit l'accès à la citadelle et a enfermé Friquet et les autres dans les caveaux. Mais cela ne les empêchera pas d'envoyer leur signal et de creuser dans nos esprits, transformant nos cauchemars en réalité. Et précision 70%. Donc... Eh ben... Du coup, on pourrait faire le boss. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose à refaire le boss? Genre, est-ce que je vais perdre ma progression ou pas? Des trucs. En théorie, quand on fait le boss, on arrête, non? Je sais pas. Je comprends pas. Dis pourquoi pas, on peut tester. On a quoi? On a. C'est quoi ça? Détache les parasites. Répare, permet d'atteindre les max. Okay. On peut le faire. Je pense que je peux me le faire là, facilement, sans problème. On n'a pas de soins par contre. Elle est bien sa vie là? Friquet? Putain, c'est bon. Donc il l'a enfermé ici, Ether x5, ok cool. Cosmétaire peut être encaissé avant que le niveau d'arène ne chute. Cool, ça. Amplificateur d'adrénaline. Objet personnel ne vous lâchera pas. Montre donc. Ah, je me demande si c'est pas une vie ça. Yes, le cube. Ah bah putain.
Ouais, donc c'est les boss, quoi, les cubes. Non, je veux ça. 95% de chance de ne pas se faire renverser par les attaques lourdes. Ouh. Sympa. Ah, cool, cool, cool. Donc maintenant, on peut faire les biomes comme ça. Ça marche, c'est cool. Il y a ça qui est intéressant, la conserve de... conservation de... d'objets. Après le reste c'est pas extrêmement utile, j'en sais rien en fait, je sais pas quoi. Plus souvent des matériaux sur les ennemis. Est-ce qu'on enlève un truc ou pas? Non, on en a enlevé un. C'est juste pour avoir un peu d'argent, de voir si on peut pas acheter des choses en plus. C'est pas énorme après. Hein. Ouais, bon, on a encore ça, c'est bien. Nickel. Ah oui, on a d'autres parties maintenant, c'est cool. C'est cool comme ils ont fait le système. Quand on fait le biome pour la deuxième fois. Alors, du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait aller vers le désert, si on veut. Le désert, il est où? Il est là. Ça, c'est ça. Attends. Quoi comme dessin? Un cercle avec des flammes, là. Je crois que c'est ça. Parce qu'en fait c'est assez marrant de le faire de faire en une seule fois genre tous les biomes. Je suis allé à l'envers. Non c'est bon. En une seule fois on fait tous les biomes. Ça peut être sympa. Je sais pas. Après est-ce que la tour blanche là, je sais plus si c'est comme ça qu'ils l'appellent. La tour avec le signal blanc, là, pas trop quoi. Est-ce qu'on peut l'atteindre depuis le sable. Ça a lagué un peu quand on est arrivé, mais c'est normal. Alors, ça c'est du soin. Ah, attends, c'est vrai qu'on avait... Eh oui, maintenant... La peintre. Ok, maîtrise 9. Parce que maintenant, on a des pouvoirs qu'on n'avait pas avant. Donc, en théorie, on peut aller à des endroits qu'on pouvait pas... Par contre, sur le radar, là, je détecte ça. Ah non, mais c'est à l'extérieur, pardon. Des airs pourpres. Ah oui, les symboles. Alors, attends. Oui. À chaque endroit, il y a un fragment, en fait. Ah, je me demandais ces symboles à quoi ça correspondait. Ça correspond au biome en fait, tout simplement. Donc là c'est un cercle avec des flammes, enfin c'est une montagne en fait. Oui c'est un cercle avec des montagnes, avec une montagne. C'est ça. C'est ici. Donc ici on devrait pouvoir trouver le cercle.
Enfin, le cercle, le... un fragment de cercle de soleil. Je sais pas trop ce que... Je sais pas trop quoi. On verra ça après, le coffre. C'est sympa. Puis on peut choisir n'importe quel biome en fait. Mais bon, là ça va, on va bien commencer. Pas des masses top là. On est à 500. Alors, ça c'est quoi? Dysfonctionnement, déclenche une explosion. Ah, lampe à l'heure, c'est pas mal. Alors, on va prendre la fiole de soin. Ah, c'est ça le truc à tête chercheuse, c'est le projectile doré en fait. Projectile jaune. Tête chercheuse. Ouais, par contre c'est mon soin. C'est pas top. Ça. Yeah, ça l'a pas utilisé, très bien. Collecte d'abolite amplifié. Faire plus de dégâts aussi. Ah non, si, ça l'a utilisé. Merde, j'ai rien dit. Ça met du temps à s'afficher des fois. De protection, très bien. Donc en 2 on a du soin, en 3 on a la protection, ça va. Signal pour récupération. Signaler pour récupération. Notre frère est le glorifié, endurci par la souffrance, a grimpé sur le trône au sommet de la montagne. Sa faux en croissant de lune est prête à s'abattre sur le créateur destructeur. Les piliers des profondeurs nous ont jugés dignes. En fait, ça dépend si on doit détruire le monde ou pas. Parce qu'à chaque fois, ils disent les deux, quoi. Bienfaiteur, destructeur. Méga grand ici, dis-moi. J'aime bien ces trucs, des cubes avec, on dirait des... Oh la vache.
des poulpes là, les machins là. Genre c'est des cubes avec des tentacules, c'est très bizarre. Oui non, c'est vachement bien, ça ricoche partout et tout. Puis après on a le tir télécommandé, la fin téléguidé là, qui cherche les trucs. Matériaux pour les trois prochaines animations qui se détachent, pour le dysfonction. Ah tiens, on peut faire ça, parce qu'on a... On a un objet pour enlever le dysfonctionnement. Ok, hop. Ouais. Pas les d'intégrité majeure, on va le laisser de côté ça. Détache les parasites aléatoirement, c'est pas vraiment intéressant. Lâche avantage de... Ok, ça peut être intéressant ça. Ah! Faudrait utiliser le truc qui permet de, d'avoir plus de, d'argent. Cet endroit, on l'a jamais fait, hein. C'est quoi ça? C'est un empaleur x3? Intéressant, un empaleur x3. Ah, j'ai oublié de revenir en fait. Ouais. Comme on avait vu, ça faisait mal. C'est vraiment sympa, on est jeune. Ou pas? Non. Il va bien avoir des créatures, non? Non. Oh, il y a un pont. Ah oui, mais non, mais il n'y a rien. Ouais, il nous faudrait une clé. C'est pas grave. Ah, là aussi il faut une clé. Tiens, on est à 30 d'éther aussi. Il nous faudrait deux clés. Si jamais on veut tout faire. Et on a 30 d'éther, donc on peut... l'utiliser pour quelques petits trucs.
On en a tué un sans vraiment le vouloir. J'ai pas pu récupérer les pièces du coup. Ouais, c'est pas grave. Une clé. Oh là là. C'est mortel. Chambre agrandie. Je pense que le lance-grenade va quand même être plus intéressant. Parce que, je vais être honnête, on n'a pas besoin d'être devant les ennemis en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, ça rend vraiment les combats simples. Enfin, simples. Plus facile. Même pour les trucs qui volent, quoi. Je crois qu'il m'a touché. Ouais, il m'a enlevé le bouclier. Ah, les trucs qui tournent à 90 degrés, c'est ouf. Bah, quasiment. Expulsion rapide. Les millages d'avantage, ok. Modéré. J'ai pas vraiment envie d'utiliser du soin en fait, ça le problème. Oh, putain. Ok, on a une clé. Juste au cas où. Ouais, là, la vache. C'est quoi ça? J'ai réussi à atteindre le sommet. Ah, c'est pour le boss. Très bien, faut le fiole de soin x 3, nickel. Non. Je sens que je devrais me soigner et aller récupérer les autres soins.
Comme ça, au moins, on est sûr de pouvoir les récupérer. Parce que plus je vais me prendre de dégâts, plus je vais avoir du mal à utiliser les soins. Voilà. Je vais aller récupérer ce qui traîne. Imaginons que ça se passe pas très bien en fait les combats, que j'arrive jamais à vraiment à me soigner avec, avec l'aléatoire là. Si je dis pas de bêtises, on se soigne bien avec l'aléatoire. Oui, les éliminations ont 10% de chance de réparer de l'intégrité. Oui, ça risque de durer longtemps en fait. Donc autant sécuriser le truc. Par contre, on a une clé. Qu'est-ce qu'on peut en faire de la clé? On ouvre un des passages. Là, il n'y a pas de soin. On ouvre ça, par exemple. De toute façon, hein. On ouvre un truc, quoi. Alors, dis-moi que c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. J'aurais préféré de la protection ou des trucs comme ça, mais bon, pas très... Parce que la grenade fait quand même vachement mal. Donc c'est pour notre état, parce qu'on a zéro protection. Ouais, zéro protection. Je me rappelle plus du boss ici, c'est... il faisait quoi? Ah oui, oui, oui. Ah, il vole et tout, je crois. Oula, ça au lance-grenade. Ouais, non, ça arrête d'être chiant. Ah, le boss d'ici au lance-grenade. Je suis pas très certain que ça se passe bien. Enfin, après, le bon lance-grenade, il fait mal. Enfin, il est pas. Il vole pas tout le temps. Mais... Ce jeu aussi, ça me rappelle... enfin, surtout le biome, je crois. From the Ashes, là, comment ça s'appelle? Merde. Quelque chose from the Ashes. Putain, quelle mémoire de merde que j'ai. Ouais, non, ça on peut pas, ça on peut pas. Ouais, non, on avance. Après, on se téléporte au sommet, mais j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de... Ouais, de faire ça là, par exemple. Remnant. Remnant from the Ashes. Ça me rappelle. Surtout qu'il y a un peu un système... Non, c'est... Bien joué. Surtout qu'il y a un système où c'est aléatoire quand vous choisissez un biome. Genre, il n'y a pas les mêmes événements et tout ça. C'était vachement bien fait. Il y a le 2 hein, qui est en train d'être fait. Si je... Oui, oui, il y a le 2 qui a été annoncé. Ah, et je trouvais ça vachement cool, en fait, pour ce système de jeu. C'est une blague là. Oh, va niquer,
Mais j'ai qu'à tourner en même temps en fait. Ouais bon. Bon, on a récupéré un peu de vie, on n'a pas trop subi, ça va. Bon, moi ça nous fait une clé par contre, ça c'est bien, on n'avait pas de clé. On n'avait plus de clé. Je me dirige droit vers la source du signal une fois de plus. Escalader le mur devrait être facile cette fois. J'en apprendrai sûrement plus sur l'histoire de ce monde de l'autre côté. Mais tu as vu l'ombre blanche? Cette phrase m'appelle au point où je ne peux plus rien entendre d'autre. Mmh. Ah! Le même mais un niveau de plus. Et il a les Saint Tracker 2. Les Saint Tracker 2, ça peut être intéressant. Attends, les Saint Tracker... Oui, mais je peux l'utiliser sans... Oui, non, on peut l'utiliser sans le débloquer. Enfin, sans le dé... Je sais pas, en fait, comment ça marche. Genre, je peux l'utiliser... J'ai jamais fait vraiment attention à ça. Genre, il est pas débloqué, mais je peux l'utiliser. Par contre, faut qu'on mette fin à notre épisode. Parce que là, ça se passe bien, du coup, j'ai envie de continuer. Là, c'est un peu la galère. On a des soins en haut. Du soin modéré. Où le machin? Oh yes. Le soin modéré, on va pas le prendre. Ah, non, il faut vraiment que j'arrête là parce qu'on fait que avancer. On a une clé. On pourrait revenir en arrière pour débloquer encore un truc. Tiens, ça prendra. Ouf, ça va. Non. Soin là-haut, je vais voir ce que c'est comme soin. Oh, il faille tomber quoi. Putain, par où on passe? Faire tout le tour. Déclenche une explosion d'énergie, qui t'en sort les projectiles, non. Allez, dernière salle.
peu... Voir des ennemis là. Non, non. Par contre... Oui, voilà. On va s'en mettre un. Ok, alors lui on peut l'utiliser. Fait chier. Ça, il manquait plus qu'un cran pour augmenter notre vie. Je me demande si on devrait pas revenir pour aller récupérer de la vie. De maîtrise de 15%. Ouais, bon. Bon, j'avais dit qu'on s'arrêtait. Ok. On va s'arrêter là. Sinon, je continue tout le temps. Ça va, l'essaim il revient vite. On a pas mal de vie. On a des bons objets, honnêtement. On a des bons objets, surtout qu'ils peuvent rester. On a une chance accrue qu'on les consomme pas. Genre 20%. Ici, on a 20% de protection. C'est bien 20% et je crois qu'on a d'autres choses. Ou peut-être pas. Non, je pense pas. Non, c'était l'autre. L'autre truc. Non, non, on a un bon build et tout ça là. On a une bonne arme aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah oui, non, mais c'est pour vous demander comment utiliser les pics. Ouais, je suis content. Ça se passe bien. On a pas mal d'argent à chaque fois. On a bien plein d'éther. C'est un bon cycle là pour le moment. À la prochaine. Ciao, ciao.